Bonjour à vous. Alors aujourd'hui nous allons parler du masque hydratant. Pour cela vous aurez besoin de miel, le miel qui est hydratant et cicatrisant. Vous aurez besoin de votre gel à l'aloe vera. Gel à l'aloe vera que vous pouvez fabriquer vous-même. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube pour voir le mode d'extraction du gel. Vous prenez un bol dans lequel vous mettez du gel à l'aloe vera et du miel et vous mélangez de manière à obtenir une solution homogène. Une fois le mélange obtenu, vous posez sur votre visage à l'aide d'un pinceau sur un visage qui est au préalable nettoyé et gommé. Vous appliquez cette préparation tout en respectant le contour de l'œil. De pause 20 minutes. Ensuite, vous rincez votre visage que vous essuyez à l'aide d'une serviette propre. Toujours avoir une serviette propre. Votre visage est propre. Il ne vous reste plus qu'à mettre votre crème. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Merci. C'est simple, c'est facile, c'est rapide. Pensez à faire votre gel à l'aloe vera vous-même. C'est vrai que le délai de conservation, il ne doit pas excéder un mois, entre 2 semaines et un mois. Pensez à mettre dans votre gel à l'aloe vera quelques gouttes de citron ou quelques gouttes d'huile essentielle de citron et vous verrez. Ce masque est super pour les peaux qui sont déshydratées, pour les peaux qui sont abîmées, pour les peaux qui sont aussi trop sèches. Et aussi pour l'éclat de la peau. Voilà. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout.